Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour un nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey. Nouvel épisode, tourné à la suite du dernier, décidément je suis plutôt chaud à tourner du Assassin's Creed Odyssey, donc c'est le bon moment d'avancer bien comme il faut les amis. Let's go. Donc la dernière fois nous sommes rendus à la fête de Périclès, hein, ça aura duré longtemps. On a fait deux sous-quêtes qui nous aura permis de monter d'un level. Et donc nous sommes à nouveau partis, on doit parler à Socrate qu'on a rendu ivre. Non, c'était pas lui. Je crois que c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Je sais plus, c'était lui ou pas? Ah, c'était peut-être lui, je sais plus. Enfin, on a rendu quelqu'un ivre et voilà, c'était marrant. Alors. Ah, voilà celui qui reconnaît l'importance suprême du savoir. T'as un Socrate, je l'aime pas. Que il m'inspire pas confiance. Sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques? Je doute de l'intérêt de ce débat, vous m'intéressez. Le 1. Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord... Bah c'est vrai. Changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. Ah ouais? C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un... C'est un... Ah, comme toutes les entreprises. Très bonne question. Très bon débat. J'ai rien dit finalement. Mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant? Ne sois pas absurde! Les dirigeants sont injustes. C'est une perte de temps. Bah. Mince, il n'y en a aucun des deux qui me tente. C'est une perte de temps. Votre discussion ne vous mènera à rien. Peut-être. Alors, comment définir l'art? Je ne me laisserai pas entraîner dans ce débat. Très bien. Alors, réponds à ceci. L'artiste ne donne-t-il pas forme et symétrie à son sujet? Ben oui. Il semble que oui. Les lois et la justice en font autant pour les gens, n'est-ce pas? Et... existe-t-il un meilleur moyen de rendre compte de l'histoire d'un peuple que ses coutumes et ses lois? Si c'est le cas, diriger... Ouais, je suis d'accord avec lui, c'est des arts. Sont des arts. Ouais, moi je suis d'accord avec ton pote. C'est pas faux. Et avec lui. Aspasia. Ah. Ah, c'est elle, Aspasia. Ah, elle est jolie, hein. Non, c'est vrai qu'elle est jolie. C'est la première femme mignonne qu'on rencontre dans le jeu, j'ai l'impression. Ne juge pas trop durement, Socrate. C'est un des esprits les plus... Ah, du coup, celle Aspasia, la fameuse. Il se montre souvent cinglant. Il n'est pas toujours comme ça, si? Ah, Phoïbé. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Alexios peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand il parle. Très bonne idée. Va, et Alexios te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. D'accord. Ah! Ce n'était pas moi, tu m'as fait espionner. J'ai fait ce qui s'imposait. Ah, Mégaris, ah, je sais plus. C'est moi qui l'a fait ou pas? Ça fait pencher la balance. Ah, j'ai bien envie de tester la balance quand même. Ah, mais si je mens, pff, ce serait pas cool. Je sais plus si c'est moi. Ah, je sais plus. Pff, tant pis, je dis le 3. Tant pis. J'ai fait ce que je devais. Et je le referai. Je ne m'excuserai pas. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené bon, ici. Bon, moins d'un point de vue, on est honnête, on va dire. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Putain, ah, c'est chaud. Non, là, c'est pas évident, les amis. Putain. Oui, merci, on est gentil, tu vois. On est en mode sympa, mais si je dis je préférerais porter mes armes, c'est que je suis honnête, parce que je la trouve moche, sa tenue. Non, honnêtement. Enfin, la mienne, hein. Pas celle-là
De la Spacia, c'est la Spacia, je trouve jolie sa tenue. Mais la mienne, elle est moche, honnêtement. Elle est laide. Oh, on tire un rideau, c'est horrible. Non, c'est affreux. Je sais pas. Ah, je sais pas. Je sais pas quoi prendre. Ah, putain. Non, je sais pas, parce que porter mes armes... D'un côté, ça veut dire que je suis méfiant. Mais d'un autre, ça veut dire que on dirait que j'ai envie de faire un meurtre, alors que c'est faux, quoi. Je sais pas. On va dire le deuxième, tant pis. On va être honnête. On va être 100% honnête. Ah là là, j'ai peur. Je me sentirais plus à l'aise dans ces vêtements s'il me laissait cacher une arme. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. C'est vrai, ça ? Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche ma mère. Je cherche une femme. Oh putain, c'est chaud. Oh putain, c'est chaud. Oh, je sais pas. Oh, c'est quoi ces questions? Putain. Ah non, mais c'est trop chaud, les amis. Oh, non, ma mère, c'est je pense que c'est trop personnel. Genre, je sais pas, elle va me prendre pour un gamin. Non, on va dire je cherche une femme, c'est mieux. Voilà. Je cherche une femme qui a fui Sparte avec son enfant il y a des années. J'espérais que tu pourrais m'aider. Quels indices as-tu? Très bonne question. Un médecin du nom d'Hippocrate qui pourrait l'avoir vu à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne, une sorte d'amiral. Et comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle... Ah, c'est elle. Ah, ça part mal. Marvel, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, d'accord, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Oui, on va peut-être revoir Aspasia, du coup. C'est génial. On va revoir Aspasia Waifu. Le mec qui abuse totalement. Ah putain, ok. Bon, bah c'était intéressant. Au moins comme ça, on a une troisième cible, on va dire. Bon, on va aller voir Périclès. Bon, bah, cette soirée aurait été quand même intéressante, on va dire. Parce qu'on a trouvé quand même trois noms, trois lieux... Enfin, trois choses à voir, donc c'est plutôt intéressant. Alors par contre, je sais pas où me barrer, là. C'est... Ah, je peux me barrer en l'air. Ah, mais non, je peux pas sauter. Oh, putain, mais c'est... Ah, oh, ouais, non, mais ouais. Qu'est-ce que c'est horrible. Putain, c'est affreux. Il est où, l'escalier? Ah, putain, il est où, cet escalier de merde? Ah, je sais plus. Je sais plus où est-ce que je suis allé. Ok. Bah, c'était intéressant, les amis. C'était intéressant. Putain, c'est ouf. Je sais plus où est cet escalier. Comment j'ai fait pour monter au premier étage? Comment j'ai fait? Ah bah c'était là. Je suis con. Je suis très con. Ah là, c'était là. Ok, bon, on va aller voir Périclès qui est... Ici, il est là. Ah, dans cette porte. Ok, c'est parti. On va aller lui parler. On va lui dire qu'on a trouvé des infos pas dégueu du tout. Non, ça va. Ce bal était intéressant. Merci, Foybert, évidemment. Alexios, ah, Hérodote. Je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtu cette tenue, Foybert n'aurait pas pu te laisser entrer. Ah, d'accord. Ah, carrément. Genre, je suis... Ah, ok. Ne te cache pas à tes invités. C'est Aspasia qui m'envoie. Foybert n'a rien à se reprocher. Putain, les trois sont vrais, en fait. Franchement, c'est chaud, mais les trois sont vrais. Bah, allez, on va jouer agressif. Foybert a rien à faire. Foybert n'a rien fait de mal. C'est ouais, voilà. Qui lui a dit de me laisser entrer. Oh, naturellement. Je ne peux pas dire que la perspective de descendre au bas pourquoi m'enchante. Ma foi, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire, tu ne crois pas? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas?
Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à... Ouais, c'est pas faux, mais alors pourquoi tu fais une audience? Genre, je comprends pas, pourquoi tu fais une fête? Si je viens les troubler... T'es obligé d'en faire une à chaque fois? Le duc Phidias puisse s'enfuir, pourquoi tu fais ostracier ton ami? Pourquoi tu as envoyé... Oh là là, j'ai quelque chose à te dire, allez hop là. Ta vie... Ah, c'est vrai ça. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ah bon? Tu devrais prendre cette menace au sérieux. À ta place, moi aussi, je m'inquiéterais pour Athènes. Mais il s'inquiète déjà pour Athènes. Donc on va dire le 1. Mon vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse. Et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute, ça, c'est Périclès. Vrai. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis apparenté à l'une de ses adeptes. Et quand elle dit qu'il veut s'en prendre à toi, je la crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Alors, normalement, tes invités m'ont déjà aidé. Donc c'est une bonne chose. Très bonne chose, même. Quitter le banquet. Bon, bah, c'est terminé, les amis. Le banquet. Ça aurait été sympa, finalement. Non, franchement, j'étais sceptique avec ce banquet. Je croyais que ça allait être vraiment de la merde. Mais ça va, finalement. Ça va, ça va. Bon, après, je comprends pas trop Périclès qui dit « Bah, je veux pas venir, je veux des moments de silence, mais mec, au pire, tu fais pas une fête. » Genre, je sais pas, t'es pas obligé d'en faire une. Alors, pourquoi t'as choisi ce jour-là? T'en fais une deux semaines après ton audience, là. Enfin, je comprends pas, quoi. Enfin, bon. Ou au moins, à moins que t'étais vraiment obligé, je sais pas. Allez. Tu as l'air bien fatigué. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas ? Je suis prêt, désolé. J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. C'est vrai que c'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Je vais aller à Kios. Ah bah, ouais, effectivement, là on a les trois quêtes où on doit aller. Je sais pas, Corinth me tentait le plus. Hein ? Ça me tentait le plus. Allez hop. Il y a une femme à Corinth à qui j'aimerais parler. Alcibiade m'a parlé de cet endroit. Il dit qu'on n'y va pas pour parler. Alcibiade dit des... Ah bah, c'est lui du mec. Oh, mais je sais pas, Corinth, ça me parle. Ça, je sais pas. Partes, Aspasia m'a dit quelque chose. Sur Kefalonia. Ah. Je t'écoute. Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste. Tu ne crois pas que... Mon ami, la fièvre sanguine. Ne t'en fais pas. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste existe vraiment. D'accord? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Une peste à Kefalonia, putain. Waouh. Peste sanguine, ça craint ça. Ça existe vraiment, ça a dû faire des ravages. Et on se casse. Tu ne me demandes pas de t'emmener. Les beaux esprits. Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt, Fouibé. À bientôt, Alexios. Allez, on continue notre périple. Indice sur Adepte. Le banquet de Périclès terminé, les amis. Oh, 5625, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Plusieurs quêtes acceptées. Bon, bah, certainement les trois quêtes. Bien, bon bah ce banquet aurait été plutôt sympathique. Oh putain, la recherche d'une femme. Ok, lui on peut pas le faire. 19. Ah bah lui non plus. Ah merde, va falloir peut-être refarm les amis. Ouais, va falloir peut-être que je refarm. Ah on est qu'au niveau 15, oui effectivement. Bah du coup c'est pas grave, au prochain épisode je vais à nouveau refarm. Bah ça tombe bien. C'est rien les amis. Des rumeurs sur lesquelles un médecin du nom d'Hippocrate pourrait obtenir des informations sur Myrine. On conduit Alexia sur la ville d'Argos. D'accord, donc ça c'est Argos. Ça c'est quoi? Zernia, Amiral Leptol. Ah d'accord, bon bah c'est la quête de... Ah d'accord.
de la meuf que j'ai déjà oubliée, qui était super jolie. Et la recherche d'une femme, d'accord. Bon, bah il y a qu'un truc que je peux faire, c'est celui-là. D'accord. Très bien. Ah, il y en a un que je peux battre, les yeux du cosmos. Putain, en plus, il y a une tenue pas dégueu. Tenue légendaire, voilà. Elle serait pas dégueu. Je vais peut-être essayer de le tuer, on verra bien. Ok, bon, bah très bien. Très bien. Ah oui, au fait, j'ai augmenté le niveau. Ah, par contre, niveau arme, j'ai rien. C'est vrai que j'ai ça, mais... Ça me tente pas trop. Ouais, ça me tente pas trop. C'est quoi ça? Pardon? Hein? J'ai une autre arme. Oh, je peux apprendre une autre arme. Ah ouais. Oh yeah, trop bien. Oh putain, je peux prendre deux armes. Ça c'est cool. Ça c'est pas mal du tout. D'accord. D'accord. Bah on va essayer de prendre celle-là. Ça me paraît pas mal. Mais en fait c'est quoi? C'est une arme ou c'est deux armes? Oh, je sais pas. Ah là je sais pas du tout les amis. Je suis un peu dans le flou. Ouais. Ah l'armure est plus puissante celle-là. Mais on va regarder, il n'y a qu'un niveau d'écart. Ça c'est à 9. Ah par contre là, là la différence commence à se faire. Hein. Ouais effectivement. On va prendre l'armure 15 tant pis. On en aura à nouveau des trucs légendaires. Bah là on va prendre le 15 sans hésiter. Ensuite ça le 11, bah il n'y a pas plus fort. Enfin si, il y a un 12 mais on s'en fout. Ah bah là on va prendre le 15. Sans hésiter aussi. Ok, très bien. Très bien. D'accord, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Menu inventaire de soleil équipement. Meilleur que ceux que vous avez actuellement. Hein. Ah oui. Non mais je sais. Ah putain, c'est à 1800 mètres. Waouh. Ah c'est carrément dans une autre zone. D'accord. Ça se trouve. Ah c'est là. Ah putain, c'est là. Ah c'est là, Chaos. D'accord. Et ça c'est quoi? Ça c'est une mer. C'est de l'eau ça. On est d'accord. Ah non, ou c'est une autre zone. Ah c'est... Ah bah non. Bah, je sais pas. C'est de l'eau. C'est quoi ce truc? Ah putain, il y a un mercenaire ici. Oh putain, il est level 42, il va me défoncer. J'ai intérêt vraiment à pas le voir. Hein. Ok. D'accord. Ah putain. Ah effectivement, ça me prend du temps. J'hésite vraiment à vous faire une ellipse, hein, pour être honnête. J'hésite vraiment à vous faire une ellipse, mais je pense qu'on va pas la faire. Ah, c'est pas de route voisine, quel con. Mais quel con. Là, il faudrait dégager de la ville déjà. Déjà dégager de la ville, ça serait pas mal. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon, bah, du coup, les amis, on est parti. Hein. Pour la ville, l'île de Chaos, les amis. On va aller à l'île de Chaos. Donc, du coup, on a 3 quêtes à faire. Et je vais devoir à nouveau refarm, les amis. Bon, c'était évident, hein. J'allais refarm. Je vais farm au moins encore 3-4 fois. Hein. C'est obligé dans ce let's play. C'est obligatoire. Je pense que je vais farm jusqu'au niveau 30. Certainement. Enfin, pas là, hein, les amis, hein, mais à force, c'est obligé. Là, on arrive dans les quêtes niveau 18, là. Ouais, effectivement. Et on est que niveau 15, on va se faire un peu défoncer. Hein. Ça, c'est sûr que... Ah non, merde. C'est quoi pour se mettre du boost? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui m'a fait mon cheval? Putain, je peux pas aller plus vite, c'est con. C'est vraiment dommage que le cheval, il a pas comme Epona dans Zelda où il y a les boosts. Vous savez, les boosts avec les carottes. Ça aurait été tellement bien. Alors on peut pas faire de boost avec le cheval, c'est dommage. Non, ça c'est pas combattre. Ah, c'est d'accord, je peux balancer des flèches à main nue. Pff, ouais, tu parles. C'est ridicule. C'est parfaitement ridicule tout ça. Alors, on montre Xenia la pirate. Donc c'est une pirate, bah oui, va m'attaquer direct. Xenia sur l'île de Chaos, elle est dans la ville de Corecia, dans la partie ouest de Vengeance des Pirates. Elle dirige ses pirates depuis le temple d'Athéna. Netusa. Netusia. D'accord. Ok. Très bien. Ça va pas être facile, hein, clairement. Ça va être un temple. Il va y avoir 15 000 gardes. Je le sais. C'est sûr. Ah, c'est clair, les amis. C'est obligé. Il y a 150 000 gardes. Bon. En tout cas, ce qu'on va faire. Ah, c'est bien, il va plus vite. Je sais pas pourquoi, des fois, il va plus vite. Genre, est-ce que je suis éloigné de tout? Peut-être. Ça va être pour ça. Ah, putain, il y a de l'eau. Ah, je m'en doutais. Ah, je m'en doutais qu'il y ait de l'eau. Putain, seulement il y aurait un petit vaisseau. Un petit bateau. Franchement, petit bateau de merde là, ça serait bien. Je vois qu'il y a une barque. Est-ce que je peux la prendre la barque? Ah, je peux la prendre.
Ok, on va prendre la barque. Et on va prier qu'elle ne se casse pas, les amis. Parce que je sais pas si la barque se casse. J'ai un doute. Allez, c'est parti. Le boost. Ouais, si une barque, ça doit se casser, c'est obligé. Ok, on est parti. J'espère qu'elle va tenir de tout le voyage, ce serait sympa. Donc on est parti. L'île de Chaos, je pense pas qu'on la fera dans cet épisode, les amis. Hein. C'est juste, par contre, on va prendre un point de synchronisation. Ça, c'est sûr. Ah putain, ça se casse. Je m'en doutais, ça se casse. Ah là là, ça s'est cassé. Ah, je cesse. Ah, c'était obligé. Par contre, ça a vraiment pas tenu longtemps. Hein. Ça a vraiment pas tenu longtemps. Putain, c'est pas terrible. J'aurais peut-être dû me téléporter à mon vaisseau. D'ailleurs, attends, je peux peut-être me téléporter à mon vaisseau. Il est peut-être super loin d'ailleurs. Ah putain, s'il est super loin. Ah, il est là. L'Adressia. On va se téléporter à l'Adressia, c'est pas grave. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Ah, mais du coup, je dois refarm. Ah, devoir à nouveau refarm à Saint-Suite. Ça va me prendre bien les amis, 2-3 heures, hein, je pense, de farm, parce que je dois refaire des missions encore. Je vous dirai évidemment hein, tout ce que j'aurai débloqué. Certainement du stuff, peut-être, que j'aurai débloqué. Des aptitudes, déjà, hein, ça c'est sûr. Mais je vous dirai tout ça, vous inquiétez pas. Et peut-être, je sais pas, d'autres choses, des membres d'équipage, je sais pas, après, ce qu'on peut débloquer d'autres. Mais du coup, voilà, je referai des quêtes annexes. Bon, ce qui est bien, c'est que je sais à peu près où en trouver, des quêtes annexes. Parce que j'ai pris des points de synchronisation à droite, à gauche, donc c'est cool. C'est plutôt une bonne chose. Et donc, du coup, ça reste sympa. Quête sur le tableau du navire. Ok, donc c'est parti. Alors, port d'Akès, le cruel. Voilà. C'est un mercenaire. Il y a un message pour toi sur le tableau. Il vient de l'archipel de Telos. Paradis menacé. Un membre du culte est là-bas, Alexios. Très bien. Voilà, on n'aura pas de problème avec ce vaisseau, avec ce bateau là qui se casse. Il n'y aura pas de soucis. Ah, c'est dommage que les barques et les petits bateaux se cassent, mais en même temps, je comprends l'idée, hein, c'est normal. C'est normal. Allez, l'allure de croisière. Ah merde. Déjà stoppé. Ça a été vite. Il est aussi sur les traces. Oh, il ne peut rien contre toi. Je suis bien d'accord. Voilà. Allez, c'est parti. L'île de Chaos. Bon, on est beaucoup plus loin, les amis. Vous inquiétez pas, on va le rattraper. Hein, c'est pas tard. On va le rattraper en moins de 2. Bon, j'imagine que l'île de Chaos, elle est carrément prise d'assaut par les pirates. Genre, je pense. Mais déjà, je suis surpris qu'il y ait des pirates. Vous imaginez, il y a des pirates en Grèce. Enfin, à l'époque de la Grèce antique. Il y avait réellement des pirates. Putain. Je savais pas que c'était aussi ancien, les pirates. Alors. Bon, normalement, c'est cette île-là. Hein. Cette île-là que je ne comprends pas. Putain, c'est bon, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, le bateau, j'ai l'impression qu'il avance pas, quoi. What the fuck? Et c'est tout? Bon, on va atterrir ici, hein. Parce que je pense que ouais, ça va être cette île-là. C'est juste qu'elle est beaucoup plus grande que ce que j'ai cru. On va s'arrêter à ce port-là. Ça me semble parfait. Allez, on amarre le navire. Putain, qu'est-ce qui me manque, le petit jab d'eau? Non, ça c'est celui 4. Qui était beaucoup plus rapide que celui-là. Que l'Adrestia. L'Adrestia, il est tellement pas rapide, c'est incroyable. Il est super lent. Mais en même temps, c'est normal. Hein. Les technologies en Grèce antique comparées à Black Flag, c'est un autre délire, quoi. Mais c'est normal. Bien. Alors, on arrive à cette petite ville. On va prendre ce point de synchronisation. Et ça sera bon pour aujourd'hui, les amis. Hein. Ouais, je sais, les amis. Je sais. Je vous réserve ça pour le prochain épisode. Avec Xenia la pirate. La fameuse. On la fera au prochain épisode. Et au prochain épisode, je serai déjà beaucoup plus... Normalement, hein. Normalement, j'aurai farm. Donc, je serai probablement level 17. Normalement. Si tout se passe bien, level 17. Comme ça, on sera tranquille. Parce que je crois que les deux autres quêtes, c'est level 18, hein, si je me trompe pas.
Enfin bon, je regarderai tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc d'abord, le fameux point de synchronisation. Parce que comme ça, ce qui est bien avec ce point de synchronisation, ça va être rapide pour moi, c'est que je pourrais me re-téléporter ici et on se retrouvera justement juste à côté de la quête. Et du coup, c'est bien. Du coup, c'est parfait. On perdra pas de temps. Comme ça, vous aurez des épisodes de bonne qualité. Et surtout, j'aurai farm, je risque de moins galérer comme ça. Parce que c'est un peu chiant hein, quand je galère et que je vous fais des ellipses. Moi, je trouve ça chiant, perso. Donc c'est pour ça que j'essaye d'éviter au maximum. Bien. Donc c'est un lion. La fameuse truc. Ah, on peut récupérer? Ok. Sans voler? Bah, c'est bien. Tant mieux. Allez, hop, on récupère. Ah, on n'arrive pas à un marteau. D'accord, ça c'est original. Allez, hop. Synchronisation. C'est vraiment drôle les points de synchronisation dans Odyssée, les amis. Franchement, c'est souvent c'est des statues. Au lieu de. Bah, je les trouve plus diversifiés que Black Flag ou autre. Ou les autres assassins, ces points de synchronisation, c'est vraiment cool. Lui allongé. Ah, cool. C'est Icaros, c'est vrai. Si je l'ai appelé Cénu, les amis, c'est par rapport à Origine. Hein. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est Icaros. Bien, bon bah du coup, notre pirate est là-bas. Les amis, merci à RD, cet épisode de Assassin's Creed Odyssey, avec une superbe vue derrière, j'aime beaucoup. Hein. Putain, ces vues-là, c'est magnifique. J'espère que ça vous aura plu, cet épisode de Assassin's Creed Odyssey. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et du coup les amis, tu peux aussi aller visiter l'onglet communauté de ma chaîne, je poste quelques infos à droite et à gauche de temps en temps. Donc voilà, n'hésite pas et du coup je vous donne rendez-vous pour la suite. Bye tout le monde les amis!